Bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui ce que j'ai réussi à faire avec les fibres. Vous savez, ces fibres insolubles que je récupère après la confection de mes divers jus. Aujourd'hui, j'ai fait carottes, citrons, gingembre, curcuma et de l'ail, comme d'habitude. Et cette fois-ci, j'ai ajouté des épinards et une belle touffe de persil. Donc ça me donne un jus vert malgré la quantité de carottes. Et j'ai récupéré énormément de fibres. J'étais très surprise parce que vous verrez la quantité de carottes, c'est pas. Mais les fibres, il y en a beaucoup. Alors, j'ai fait une tarte, mais genre quiche. Parce que je vous laisse voir le processus. J'ai préparé mes carottes, le gingembre, l'ail, le curcuma, le citron. Et aujourd'hui, donc, on va mettre des épinards et du persil. Petite astuce pour vous simplifier le nettoyage, pas énormément, mais c'est toujours ça. Le bac qui recueille les fibres, vous pouvez le garnir avec un petit sac en papier. Moi, c'est ce que je récupère de quelques vracs que j'achète chez Bio C'est Bon. Et puis, côté jus, je mets mon grand verre. Comme ça, c'est fait. Ça me fait toujours ça de moins à nettoyer. Alors aujourd'hui, je vais vous dispenser du bruit parce que je reconnais que c'est pas très agréable. Mais bon, je vais faire comme d'habitude, hein. Mettre le gingembre en premier, le curcuma, l'ail, le citron, le persil, les épinards. Et je finirai par les carottes. Et je vous retrouve quand le verre sera plein. Voilà la quantité que ça me fait. Un petit peu moins que ma bouteille habituelle. Et là, j'ai pas mal de fibres. Et ben, je vais essayer de faire une tarte. Enfin, je vais tenter l'expérience. J'ai fait une pâte brisée sans sucre. Je l'ai fait reposer 3 heures. Et je vais mettre mes fibres. J'ai cassé 2 œufs, du comté râpé. Et je vais ajouter un petit pot de crème fraîche. Voilà. Un peu de noix de muscade râpée fraîche. Fleur de sel. Poivre du moulin. J'ajoute mes fibres, j'en avais pas mal finalement. Dommage de ne pas essayer d'en faire quelque chose. Je vais verser ça dans ma pâte. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas délicieux. Ça fait comme une quiche en fait, hein. Voilà, c'est parti. Là, ça fait une tarte magnifique. On va voir si elle est aussi bonne que belle. Eh bien oui, c'est pas mauvais du tout. Moi, on récupère. Voilà, bah je peux vous garantir que cette tarte était très très bonne. Bon, j'en ferai pas des folies, hein, mais je cherchais vraiment quelque chose de moins vu que les chips que je voyais de ci, de là, qui ne m'inspiraient pas plus que ça. Bon, une fois, on peut faire des chips, mais je fais pas des apéritifs tous les jours. Donc, la tarte quiche me convient très très bien. Vous aussi, si vous êtes adepte des jus, peut-être que vous pouvez essayer la quiche. C'est pas mal du tout, en tout cas. Moi, j'ai bien aimé. Bon, ce sont des fibres, hein. C'est un petit peu particulier comme sensation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, hein. Ça fait toujours plaisir, je vous le dis à chaque fois. Vous pouvez aussi commenter, vous pouvez la partager. Si vous aimez un peu plus que ça, vous pouvez vous abonner. On continue la route ensemble. Voilà, bonne journée.